question de faire la division. Mais en même temps, dans ce bas monde, on se rend bien compte que tout est duel. Il y a cette dualité qui est constante. Il y a toujours les deux extrêmes, il y a toujours les deux polarités. Et comment faire justement? On dit que dans l'idéal, qu'on est un, on est complet, qu'il y a cet équilibre, cette harmonie. Mais comment justement trouver cette harmonie, cet équilibre dans cette dualité? Admettre qu'il n'y a pas de dualité. Admettre, accepter que c'est non-duel, que c'est un, dès le départ. Sans réfléchir. Comment on le vit? Dès le départ. Comment on le vit? justement. Voir, comme disait monsieur, que là où on est divisé, là où on peut pas le vivre. Voilà. Il disait, selon ces mots, j'aurais rien pas répété, c'était trop beau parce que, je sais pas, il faudrait que tu le redises, mais qu'il y a des choses qui nous empêchent de voir que nous sommes un. Oui. D'accord. Ça, c'est ce chemin le plus compliqué. Le voir. Et je peux donner un exemple. Regarde, nous, chacun d'entre nous, ok, la façon dont on a été éduqué, on nous a dit, il faut pas être égoïste. Ok. Et quand tu es pas égoïste, quand tu es égoïste, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu combats. Tu dis, parce que ça, c'est pas bien, ben, je voudrais pas l'avoir. La dualité commence là. Parce que toute la conscience, ce que tu es, c'est une conscience totale. Ton corps, ça s'appelle individu, d'où le mot indivisible. Okay? Il n'est pas divisible. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, ton égoïsme, ta bonté, ta joie, tout ça, c'est l'âme, c'est toi. Okay? Mais toi, tu dis ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Ça, je mets sous le tapis, je veux pas que personne regarde parce que c'est mauvais, c'est vilain, parce que tout le monde me dit c'est vilain. Et donc, je me divise. Et tout mon être est divisé en millions de petites choses que j'aimerais transformer, que j'aimerais contrôler. Et ça, c'est pas naturel. Parce que tu peux. Hein? Culturel. Ouais, c'est légitime, on va dire. C'est pas naturel. Non, c'est culturel dans le sens qu'on a appris comme ça. Oui, mais justement, la culture, dans ce sens-là, elle devient un formatage pour ce que tu es. Donc, on est tous formatés à agir de certaines manières plutôt que d'une autre. On dit à 25 ans, la femme, si elle n'est pas mariée, il y a un problème. Donc, on a tous ces idées dans la tête. Mais pas tous. Bien sûr. Mais je pense que dans le monde, il y a plein de choses comme ça. Tu voudrais dire par là, Guy, que le fait de voir ces idées, c'est ça qui nous mènerait à accepter cette non-dualité, cette unité, de le vivre, de le voir. Oui, c'est-à-dire de le voir et de regarder ce que c'est, sans le dissocier de toi, sans dire que ça, c'est pas moi. Accepter que tu es comme ça. Bien sûr. Accepter que tu es égoïste. Accepter. On a toutes les deux extrêmes, les deux polarités, les deux dualités en soi. Donc, oui, ce qu'on va faire, on va prendre ce qui est bon et on va dire à l'autre, oh non, ça, j'aime pas. Donc, on se crée une dualité en soi, ok, et on va dans la rue, on va devant les gens et on va montrer à l'autre ce que l'autre, il veut voir parce que c'est la norme. La norme, c'est d'être gentil. Ok. Donc, on est faux. On est terriblement faux les uns envers les autres. L'action. Bah, c'est le masque. C'est les masques. Justement. Ah, voilà. Alors justement. Dis à Lido. Voyons. On ce masque. Ça y est, on est hypocrite. D'ailleurs, en Grèce, l'hypocrite, c'est celui qui porte un masque. Oui. Non, ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. C'est un rôle. Le masque, c'est un rôle qu'on joue. C'est ce qu'on appelait dans le théâtre. Les armures de protection. Le personnage. C'est pas grave d'avoir un masque. C'est de jouer des rôles. Là où on se fait souffrir, c'est quand on s'identifie au masque. Voilà. Tu vois? Avoir un masque. Avoir un rôle, par exemple. C'est pas grave. Tu vas être président de la République. C'est pas grave. Si toute ta vie tu penses que toute ta vie tu vas être président, là c'est dur. Ça pose un problème psychologique que beaucoup de présidents ont, d'ex-présidents. Parce qu'ils font une dépression après la présidence. Mais c'est ce que fait que celui qui est au pouvoir, il veut encore le pouvoir. Parce que s'il lâche le pouvoir, il perd l'identité qu'il a. Et perdant le masque, il mourrait. Oui, c'est pour eux, c'est la mort. Tu comprends? Et le masque. Mais cette mort est une délivrance, cette mort est un détachement, cette mort c'est une grâce, tu vois. On peut l'appeler autant qu'on veut, mais c'est génial en fait. Donc, rentrer dans le masque et en sortir, peut-être là est la clé en fait.
parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'avoir un rôle. Tu vois, parce que quand même tu ne voudrais pas en avoir, on t'en colle rien. Et on aurait été basané, on va dire t'es pakistanais, t'es musulman, on m'a collé un masque, même si c'est pas le mien. Tu m'as collé un masque là. Tu m'as collé un masque là. Je suis né, on m'a dit sur ma carte d'identité, musulman. Tu vois ? Et on m'a collé direct un masque, j'étais bébé, on m'a collé un masque. Là tu viens de me. Attends. Vas-y, vas-y. Tu viens de me coller un masque. Ok. Tu veux être président ? C'est pas grave, j'ai dit c'est pas grave de vouloir être président. Oui. Le masque. Tu... Oui, oui, attends, bouge pas. Tu dis c'est pas grave de vouloir être président. Ça veut dire que tu m'as collé un masque comme quoi je veux être président. Comme quoi c'est pas non, comme quoi c'est pas grave qu'il y aurait une volonté d'avoir un rôle. Oui, mais tu me colles un masque comme quoi je veux être président et que c'est pas grave. Oui. Sache à titre d'information que je ne veux pas être président, mais que je peux, que je veux aller au présidentiel ou que je veux que les citoyens aillent au présidentiel. Ça c'est un éclaircissement pour que on se connaisse un peu, pour que tu précises. Ta pensée par rapport au masque que tu me mets. C'est-à-dire que tu as une imprécision dans ce que tu penses que je veux. Tu as donné les dessins qui sont dessus. C'est juste pour que tu. Parce que j'ai donné comme exemple, j'ai pas donné comme. Tu as bien fait de préciser pour. Parce que en rhétorique, en communication, on appelle ça l'éthos. L'éthos, c'est l'image qu'on se donne, l'image que les gens voient de nous, d'accord ? Et c'est une image qui est très importante aujourd'hui en société, d'accord ? C'est une image qu'on détruit ici, mais que quand on détruit dans le monde, ben, c'est une catastrophe, quoi. Qu'on te casse dans tous les sens, tu deviens l'ennemi numéro un à battre. Donc cette image-là, il est nécessaire, quelque part, de le préciser, de le positionner. Mais c'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement pour fonctionner. Alors, tu poseras la question à Guy. Oui. Parce que on y vient. Je sens qu'il veut réagir. Il va te dire, je suis sûr, il va te dire, oh, on n'en a pas besoin de ça. Et la suite de la conversation est intéressante. Parce que comment on fait sans, tu voilà, vois. Voilà. C'est parce que l'image, on se le donne. On se le donne, on se crée des images, comme on disait tout à l'heure, puisque donc on est égoïste. On crée l'image de celui qui n'est pas égoïste. Et puis on vit avec ça, on dit à l'autre, regarde-moi, moi je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Je suis actrice, je suis généreuse. Donc ça c'est l'image qu'on se donne. Parce qu'on n'a pas accepté de se regarder tel qu'on est. Donc l'image se crée comme ça. Okay? Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une vie sans cette image? Est-ce qu'on a besoin d'avoir cette image? Moi, j'ai une autre question. Il y a des personnes. Mais tu peux répondre à la question avant? Non, mais est-ce qu'on a besoin de cette image? Ça va aller ensemble. Il y a des personnes qui nous collent aussi une image, comme eux, ils veulent nous voir et qui nous voient. Oui. Donc, et bah, quand mais ça, c'est leur problème. Quand on n'est pas conscient de ça, comment réagir? Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Parce que tu voudrais dire que quelqu'un aurait une image de toi. Parce qu'on n'est pas capable d'agir et qu'on est un petit marmaille comme ça, on te colle l'image dessus. Oui. Là, tu n'as pas la capacité intellectuelle ni rien pour réagir à ça. Qu'on te colle. Là, on te dit, sors de là, sale handicapé. Et du coup, exactement. Tu crois qu'handicapé, c'est toi. En fait, tu t'identifies à l'image. Ouais, t'es moche, je sais pas quoi. Mais si tu as appris et que tu peux vivre sans image, comme il dit là, eh bien, celui qui te dit ça, ben, ça rentre par là, ça sort par là. Ça ne vient pas s'identifier et tout pourrir, en fait. D'accord ? Donc, ne pas s'identifier à l'image, ça peut être une des premières leçons qu'on a à l'école. Oui, mais ça dépend. Quand on marmaille, quand on a vu une certaine chose, ça te colle à la peau et voilà. Justement, ouais, ben, t'as raison. Société, puis on en est là aujourd'hui. Notre société, elle est dans un état lamentable. Okay ? Il faut refaire toute l'éducation. Mais elle va commencer comment ? Par celui qui a compris. Mais le marmaille, comme tu dis, qui souffre de ce qu'on lui a dit, comment il doit réagir. Comment il est. Même un adulte, on souffre. Regarde, je te donne une anecdote. La première fois que je suis venu à l'île de la Réunion, d'accord ? La première fois que je suis venu à l'île de la Réunion, la veille de mon départ d'ici pour retourner à Bordeaux, la belle famille de ma femme est venue, 3 voitures, 5 personnes. D'accord ? Ils ont essayé de la séquestrer. Ils m'ont dit, viens la salle arabe, viens la salle handicapée, on va te défoncer. D'accord ? Et quand on est adulte, ben, on sent la violence si on a une image.
si on n'a pas d'image. En fait, on ressent comme de l'amour pour l'autre. On est là, on écoute, on dit ben, « moi je suis là et je t'aime même si tu ne m'aimes pas ». Et c'est vrai que c'est dur. Et nous, en tant qu'adultes, tu vois, si vraiment on dit « mais je suis sans image », ben, l'autre qui est en train de faire le lavis d'affé, ce n'est pas grave. Tu vois, il peut prendre notre image, il peut la triturer, il peut la couper, il peut la censurer, il peut la prendre ici, la mettre là-bas, ce n'est pas grave. Tu peux même dire « ouais, mais il a fait ça ». Et au final, c'est pas si grave que ça. Oui, mais pour savoir ça, pour pouvoir dire ça, Farzad. Mais il faut le mettre sur le plateau pour que ça soit compris, ça. Oui, oui, justement pour voir que ce soit. Je te donne la parole, Mathieu. Pour que ce soit possible à quelqu'un de pouvoir aller dans cette optique et de ne plus souffrir de son image, il faut déjà savoir comment l'image elle est construite en soi. Mm-hmm. Mm-hmm. Et si tu n'as pas vu la mécanique qui fait que tu construis des images de toi, mmh. Eh ben, arrivé devant le fait, ben, tu seras toujours blessé. Mmh. Ouais. Donc, il faut peut-être aller voir comment cette image elle s'éveille en toi. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'être humain, tu as besoin de cette image et pourquoi? Qu'est-ce qui fait en toi toute la mécanique qui fait construire cette image de toi? Comme on disait tout à l'heure, on a l'ego, on est égoïste, on ne veut pas voir ça. Donc, on se construit une image de quelqu'un qui est gentil. Mmh. Okay? Cette image-là, pourquoi on l'a fait? Pourquoi on l'a créée? Pourquoi on l'a créée? À cause de la peur. Mmh. La peur de ne pas être reconnu par celui qui nous a dit qu'il ne faut pas être comme ça. Mmh. Parce que l'autre nous donne de l'affection, de l'amour et tout ça. Ne plus être aimé. Voilà. Donc, on a peur de ne plus être aimé. Mmh. Et la plus grande peur qui nous fait construire des images, c'est la peur d'être seul, de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu. Donc, cette peur de ne pas être reconnu est la base de savoir pourquoi l'image, elle vient. Donc, si tu veux aller voir, je ne dis pas qu'il y a un moyen, il y a une façon, mais en parlant ensemble, de le voir maintenant, là, on peut voir que cette peur, tu vois, est la base de tous les problèmes de l'humanité. Tous les conflits, bien sûr. La peur, oui, c'est la base de tous les conflits, de toutes les guerres. Exactement. Et donc, cette peur qui fait que nous construisons des images, et l'image, après, quand on n'est pas vrai, eh bien, on abrutit les autres, on s'abrutit en même temps soi-même, on est en dégénérescence, et on ne vit pas la vie, on n'est pas vrai. On n'est pas vrai, on n'est plus authentique. Voilà. Et vous avez déjà entendu ce discours qui dit « on m'a détruit ». J'ai été détruit, on m'a rejeté, on m'a humilié, on m'a fait ça, d'accord? Et puis, maintenant, je dois me reconstruire. Est-ce que quelque part, ce qui a été détruit, ce n'est pas l'image? C'est l'image. Quelque part, ce qu'on veut reconstruire, ce n'est pas encore l'image. Peut-être. Ça veut dire aussi que tu as tout pris dans ton corps et que ça t'a transformé ton corps profondément, avec des marques au niveau de la respiration. Etc. Ce dont je parle depuis tout à l'heure avec la verticalité qui n'est que le support de ton diaphragme, etc. Mais lâcher prise, c'est souffler. On ne dit pas respirer à fond, mais souffler. Oui, on déconstruit. Ah, pardon. J'avais demandé depuis tout à l'heure. Merci. Vas-y. Oui, donc c'est pour répondre à madame. Justement par rapport à l'enfant qui est innocent, qui est une éponge émotionnelle qui absorbe tout ce qu'on lui dit. C'est pour ça que la base de l'apprentissage, c'est par rapport à la répétition. On répète ce qu'on nous a dit, on répète ce qu'on nous a montré, ce qu'on a fait, etc. C'est la base de l'apprentissage. Mais sauf que dans cet apprentissage, il y a un certain conditionnement parce qu'il est plus ou moins positif ou négatif. On pourra dire, t'es un gentil garçon, t'es une gentille fille. Ou on pourra dire, t'es une méchante fille. Voilà. Je dirais, juste pour préciser, il y aurait non pas ce qui est positif ou négatif, c'est-à-dire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, mais ce qui est conditionnant et ce qui est déconditionnant. Parce que quand on dit à quelqu'un tu es comme ça, on le conditionne. Que ce soit positif ou négatif. Oui, on le conditionne. Si on le dit en positif, on le conditionne dans l'orgueil. Moi, je suis. Et puis le jour où il a un échec, c'est une catastrophe, il faut qu'à chaque fois qu'il se reconstruise. Tu vois, on appelle ça la persévérance. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il construit? Et de l'autre côté, ce qui conditionne, c'est la peur. D'être détruit, c'est-à-dire le côté négatif, toi t'es pas bien, t'es méchant, tu vois, ça construit, ça conditionne à nouveau, mais une image négative de soi. L'un et l'autre,
L'un et l'autre, c'est toujours l'orgueil. Un ego positif, un ego négatif. D'accord. Par contre, un ego gentil, voilà. Un ego pas gentil. D'accord. Voilà. Par contre, l'éducation première qui déconditionne serait celle qui re-questionne le qui es-tu. Qui es-tu ? D'accord. On laisse la possibilité, le choix. Et qui ne met rien derrière je suis. D'accord ? Je ne suis pas un métier. Je suis... Est-ce que je suis un métier ? Non. Est-ce que je suis ça ? Non. Tu as parlé japonais, tu as parlé du qui. Attends, t'as écouté. C'était justement ce qu'il fallait dire. Alors, ce que je voulais dire, justement, c'est que, bah, au-delà de ces conditionnements, en effet, eh bien, ça crée des blessures. Surtout quand, qu'elles soient peut-être positives ou négatives, ça crée des blessures, en effet, quand on est enfant. Mais justement, quand on devient adulte, quand on grandit en âge, on a le choix de, justement, de choisir. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Qu'est-ce qu'on veut en faire de ces blessures ? Qu'est-ce qu'on veut faire de ces expériences ? Et donc, pour moi, c'est ce processus de guérison qu'on a à faire. Tu parles de l'enfant qui est innocent, totalement innocent. Oui. Eh bien, on en parlait à la dernière conférence. L'enfant qui est totalement innocent ne se rend même pas compte du mal, ni même du bien. Et donc, il n'a pas d'image. Il n'a pas d'image. Il ne se conditionne pas. C'est dès lors que les parents lui disent « Ah, mais c'est mal ce qui t'est arrivé. Ah, la pauvre !» Là, la douleur vient, s'installe dans le corps, et on va dire « va falloir que tu fasses quelque chose pour t'en délivrer. » Mais la seule chose qui en délivre, c'est le retour à l'innocence première. Alors, d'accord, je ne suis pas c'est-à-dire... tout à fait d'accord dans je le peux sens... intervenir rapidement. À 8 mois, j'ai fait une anorexie mentale. Alors, pour l'enfant qui ne comprend pas, merci. Voilà. Moi, c'est ça que j'allais dire, justement. Je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où ce ne serait pas forcément la conscience ou le conditionnement qui donnerait cette notion de mal ou de bien. C'est que, justement, en étant bébé ou même en étant dans le ventre de notre mère, on absorbe tout. On absorbe toutes les émotions. Absolument. Et que le fœtus ou l'enfant ou le bébé peut absorber certaines énergies bonne ou mauvaise, plus ou moins, et que du coup ça créera des blessures. Ouais. Ça crée des blessures si il y a un terrain d'expression. C'est-à-dire, si tu mets un terrain de culture de la beauté, tu auras plus de chances de récolter la beauté. Je rebondis. Si tu mets le terrain de la violence, de l'agressivité, c'est tout ce que tu vois à la télé, je donne la parole. Tout ce que tu vois à la télé. Si tu mets ça, tu vas voir émerger toutes ces histoires qu'il y a eu à 8 mois, qu'il y a eu à 1 an. Ça peut être des viols, ça peut être des guerres, mais qu'il y a eu aussi dans toutes les générations d'avant, depuis l'aube de l'humanité, d'accord, qui sont là, qui émergent. Tout ça, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est la conscience de l'humanité, la conscience conditionnée de l'humanité à laquelle on a donné un terrain d'expression. Si on donne le terrain d'expression à la beauté, on aura de l'art, du vrai art. Pas le gars qui scotche une banane contre un mur et il vend ça à 120 000 dollars. D'accord. Ça donne Michel-Ange, ça donne De Vinci, ça donne Picasso, ça donne, tu vois, ça donne Mozart, ça donne Goya, tu vois, ça donne Monet, tu vois, ça donne la beauté, ça donne les scientifiques, les vrais scientifiques, ceux qui ont vraiment découvert. Mais la banane n'est pas bête sur le mur. Rien n'est bête, tout a sa raison d'exister. Mais ce qui vient de la beauté, de la conscience pure, ça, tu sais, aujourd'hui je sens qu'on a peut-être quelque part perdu cette sensibilité à la vraie beauté de véritable art. Tu vois, c'est pourquoi on a tendance à aller vers des discours fades. Mais qu'est-ce qui est vrai par rapport à l'art ou pas ? Parce que quand tu vois, avant que tu arrives, moi je disais que tout quand est quand tu vois art. La chapelle Sixtine, et quand tu vois la banane collée au mur, tu vois art. La différence. Bah, c'est avant de remonter à la barre, c'est l'art aussi. Non, mais c'est de l'art aussi. Vas-y, vas-y. Je voulais réagir sur ce qu'elle disait, en même temps ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est en train de déconstruire. Moi j'ai 45 ans, je déconstruis après 40 ans, quoi, j'ai envie de dire. Alors qu'on a tout un système, et là je rebondis sur ce qu'il disait tout à l'heure concernant que je veux être président, mais c'est pas ça, que je veux aller au présidentiel avec des citoyens. Un système qui t'oblige à venir dedans, en fait. C'est-à-dire qu'on a un conditionnement de masse qui nous oblige à nous poser la question. Déjà, il faut qu'on se pose la question. Tout à l'heure, tu parlais de l'émergence de la conscience, que ne serait-ce que l'émergence de la question, j'ai envie de dire. On se la pose quand on est affranchi du conditionnement qu'on a été dedans pendant un certain laps de temps. Et faut-il encore qu'on puisse à un moment donné se la poser. J'ai envie de dire qu'on est 20 dans la salle.
y a un paquet de monde dehors. Il y a plus que 20 personnes qui ont eu accès à l'information que tu promues ce soir, à la réflexion que tu amènes, ainsi de suite. Et on a un système, on est 20 là-dedans et on a des milliers d'enfants qui sont dans un système scolaire avec un conditionnement, avec des parents qui ont été conditionnés dans le même système, ainsi de suite, et on reproduit, mmh. et on revient lutter à coups de cuillère dans un océan qui se déverse tout le temps. D'où l'envie que ce qu'on pense, qu'elle dit aussi, ce qu'on pense, aille à l'origine, c'est-à-dire au niveau des écoles maternelles, au niveau des éducations des mamans, des papas, et ainsi de suite. C'est là où est ma volonté d'aller taper dans le système qui me conditionne à fond. Ben, là, il se passe quelque chose quand tu fais ça. Là, tu viens de dire quelque chose de très intéressant parce que tu vois, on rentre dans le vif du sujet. On est en train de réorienter notre désir quand on fait ça. Ouais. Au lieu de dire, moi, je veux être président juste pour la carrure, je veux être ci, je veux être ça. Je suis en train de dire peut-être que ce désir, il peut aller vers ce qu'il y a d'essentiel, déjà en moi-même. D'accord ? Et que on est un certain nombre, on n'est pas des masses. Mais ce n'est pas grave. Que si on s'est posé la question, c'est qu'on a vu qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu vois ? Qu'on ne peut pas l'enseigner comme ça, parce que ce serait comme lâcher une colombe de paix dans un champ de bataille où tout le monde est en train de saigner, quoi. La colombe va se faire buter en un rien de temps. Cette colombe, elle va finir en brochette. Avec un chat, un chien, avec tout ce que tu veux. Donc, ça reste quelque chose de très sérieux à faire attention, à protéger, à garder là et à amener petit à petit, tu vois, à notre niveau et à cultiver là, ici. Et si on sent qu'on peut le cultiver depuis là où on est, comme certaines personnes qui étaient là dans les réunions précédentes, elles ont dit je veux le faire chez moi, j'ai une maison, une demeure, j'invite les gens et puis j'ouvre ma porte et on le fait et l'éducation commence là. Un autre qui dit je donne l'espace de mon entreprise. Quelqu'un qui dit je donne la salle de la mairie, tu vois. Et là, on met en commun des choses, mais orientées dans cette attention-là. C'est des petites actions, des petites actions qu'on peut ouvrir au public pour justement en étant un modèle. Voilà, en, sachant en que. En étant dans l'action, on est un modèle pour inciter les autres qui souhaiteraient le faire. Sachant que, faut pas faire l'erreur que nos aïeux ont réalisée jusqu'à aujourd'hui, qui veut dire on va faire quelque chose pour que cela arrive. Le processus est différent. Quand on veut faire quelque chose, on dit « Tiens, Fred, on va avec notre ami faire quelque chose et puis on va disséminer ça dans toute la réunion. Ça va être une réunion magnifique, merveilleuse. » Tu vois ? Mais là, ce n'est pas de ça qu'on parle. On dit on a profondément pris conscience de quelque chose. Là, maintenant, là, ce soir. Là. Pas demain, on a gardé quelque chose. Pas hier, là, maintenant. Tu vois ? Et tout de suite, de manière spontané, il y a quelque chose qui émerge de nous et qui dit le mois prochain je suis là, voire même il y a quelque chose, je vais le créer ça depuis là où je suis, ou je commence à réaliser quelque chose. Mais c'est spontané, c'est pas réfléchi. Et quand ça se fait, ça donne comme Guy et moi des réunions, peut-être de la musique avec d'autres, de modes d'éducation avec d'autres, tu vois. Le processus est inversé, ça part de l'instant là qu'on vit, d'accord. Et ensuite, ça devient une émergence, comme elle dit. Parce que si ça part d'un brainstorming collectif qu'on appelle intelligence collective, chacun colle ses idées sur le mur et après on dit on va le faire, ça va durer un temps. Puis après, on va arriver à se diviser sur les idées de chacun. On va se diviser. Tu vois ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup, beaucoup. Mais si on vient ensemble, une séance, deux séances, qu'on continue ça, et puis on va se rendre compte petit à petit que toute la phase préliminaire, on n'en a plus besoin. D'accord ? Toute la phase de « on n'est plus d'accord », on est tout de suite en accord. Et l'émergence est, on va dire, plus rapide, plus aisée, plus profond, beaucoup plus intense. Et il se peut que là même, dans le cocktail, il y a une action qui émerge. Tu vois ? Mais pour ça, il est nécessaire, tu vois, grande attention. Une clarté d'attention qu'on cultive là. Si.
Et puis, ben, demain, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, on quitte le cercle. Et qu'on n'est plus là en train de parler entre nous, mais dans le monde. Tu vois ? Mais tout ça, c'est pas là maintenant. Là maintenant, on a vraiment besoin de se rencontrer et de se parler pendant des heures et des heures. C'est ce que faisaient les citoyens à Athènes 5 siècles avant notre ère. À 6000 personnes, ils se réunissaient, ils n'étaient pas d'accord. Et chacun prenait la parole. Ils faisaient des débats avec tous les citoyens, les philosophes. Alors, on n'appelait pas ça des débats, c'était des discours délibératifs, des discours judiciaires, des discours épidictiques, des discours d'union. D'accord ? Aujourd'hui, le discours d'union, il est fait pour rassembler les gens et les intégrer dans une communauté, qu'elle soit une communauté de religieux, de politiques ou de quoi que ce soit. D'athées. Mais voilà, d'athées même. Merci. Et c'est pas forcément un rassemblement total. Et on a besoin d'un discours qui nous rassemble totalement au-delà de tous les désaccords.